tire pas, c'est moi qui tire. Non, non. Mais c'est moi qui tire, c'est moi qui suis tombé. T'as tiré le dernier. Mais alors, je suis tombé. On sait tout, je suis tombé. Non, on fait ça pile ou face. Vas-y, pile ou face. Pile ou face? Moi je prends pile. Pile? Moi je prends face. C'est face, c'est toi qui tire. Tiens. Il est beau le gars là-bas, non? Comment il est? Tu lui as déjà parlé? Oui, une fois. Wow, la chance. Et toi? Ouais, une fois, mais rapide. Bien, bien, je vais lui parler. Non. Comment ça, non? C'est moi qui vais lui parler. Non! Si. Bah non! Vas-y, j'ai une pièce, pile ou face? Face. Yes! Allez! Petite de Benzema. Ah, il est bien. Salut! Salut. Salut! Je trouve que vous avez grave bien joué là au match. Ah, merci. Surtout toi en fait. Si c'est gentil. Ça te dit un rendez-vous? Je sais pas trop. Désolé, je peux mettre d'accord, j'ai une pièce. Vas-y, face, c'est vrai. Bah alors face. Après, j'ai pas vraiment le temps en ce moment avec tout ça. Je peux pas là en ce moment. Ok, donc tant pis. Bah, prochaine fois. A plus. Ah! Vous avez pas faim? Moi j'ai faim. Si, j'ai un peu faim. Ouais. Ouais, un poil. Je crois qu'il reste qu'une glace dans le frigo. Oh, je vais la chercher. Non, non, mais non. Non. On a tous faim. Faut choisir là. Vous êtes chiant. Bah ouais. On l'a fait au dé pour savoir qui la prend. D'accord. Allez, ouais. Ça va. Bon, celui qui tombe dans sa tranche, il la prend. Ça marche? Ok. Il y a trois tranches. 2 et 5, 6 et 9, 9 et 12. Moi je prends 6 et 9. Je prends 2 et 5. 9 et 12. Alors c'est l'appareil photo de mon grand-père que j'ai retrouvé par hasard dans le grenier et je me suis dit que ça serait rigolo si on se faisait des photos souvenirs avec la classe et en fait c'est double exposition. Donc on fait une photo et une autre photo et elles se mélangent et ça peut être, je pense, ça peut être bien. Ouais, ouais, voilà. C'est pas mal. Ouais. Donc on va essayer. Allez, let's go. Et du coup, je vais vous prendre en train de monter les escaliers. Ça vous va? Let's go. Et du coup, je vais vous prendre en photo. Quand vous allez marcher, je vais prendre vos pieds en photo en action. Nos pieds? Oui. Ah, c'est juste. T'es fétichiste. Non, bon, allez, j'en pied quoi. Allez, c'est parti. Vas-y, marchez. Dans quel sens? Bah, de dos, vous marchez vers l'avant. Ah, c'est à moi. Incroyable. Tu demandes un ballon? Je pars du champ. Faut que je parte? Non. Tu m'expliques? Là, en fait. Ce que tu vas faire, c'est entre les deux pompes, tu vas essayer de représenter un pont, ok? Et donc tu vas faire des pompes. Enfin, des pompes. Donc tu mets tes mains ici, tes deux mains là et tes pieds ici, ok? Vas-y. Ouais, pour l'instant ça va. Alors attends, bouge pas. Regarde la caméra. Non, regarde à côté. Non, mais souris pas! C'est dans la boîte. C'est excellent. Allez, la caméra, maman, vous viens vers moi, je vais te montrer le résultat.
Jean. Prends-le, je suis en défense, je suis en défense. Allez là, tire. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes ici aujourd'hui car vous avez été invités pour jouer au jeu du pendule. Les règles sont simples. Il y a trois aimants placés sur le pendule et vous devez en choisir un seul parmi les trois. Si le pendule atterrit sur votre aimant, vous gagnez la récompense donnée avant le tour. Il y aura trois tours donc vous aurez trois chances de gagner. La première récompense sera l'iPhone. Là, vous allez devoir choisir votre aimant. Yes. Vous avez gagné l'iPhone. Merci. Donc maintenant, nous allons procéder au deuxième tour. Le deuxième tour, la récompense, c'est une maison. On choisissait votre aimant. Il faut d'abord le lever, l'aimant. Oui, allez-y. Ce second tour, vous avez gagné la maison. Merci beaucoup. Cette fois-ci, nous allons jouer pour le troisième tour. C'est un voyage à New York. Donc, choisissez votre aimant pour une troisième fois et le dernier tour. Celui-là. Oh, t'as vu, il gagne tout le temps, c'est sûr, il triche. Mais oui, c'est pas possible de gagner tout le temps, à chaque fois. Il a toutes les récompenses. L'autre, il a rien eu. Père, voilà, pauvre. Le maître du jeu, ça a pas l'air de le choquer. Ouais, c'est fou. On dirait qu'il est au courant de l'homme. Ils sont complices. Yes! Merci. Comment c'est possible? Merci. Je fais que gagner, je triche. C'est le jeu. Ce n'est pas de la triche. Je vais vous expliquer. Considérez que pour chacun de ces trois aimants, une de ces couleurs sur le socle correspond. Et que pour chaque position de départ choisie par le maître de jeu est associée à l'une de ces couleurs. Alors, je peux déterminer l'issue gagnante de ce jeu, car je connais le modèle fractal de ce pendule chaotique par cœur. Il ne faut jamais sous-estimer l'influence du hasard sur l'existence. Lorsque la roue se trouve sur une certaine date, un certain endroit ou une certaine heure, elle peut bouleverser la vie de ceux qui tombent dessus. Alors, vous pouvez peut-être vous dire que cela est énigmatique, mais nous pouvons parfois prédire la confusion.